bonjour, nous sommes chez un nouveau client et aujourd'hui j'aimerais vous parler des plates-bandes de petite dimension. Alors, ici, on a une plate-bande qui a environ 18 pouces, c'est-à-dire à peu près 40 cm. Euh, plusieurs diront, on, tu nous as parlé de la bande de propreté, qu'on serait supposé de rien planter. Euh, ici, étant donné qu'on a accès à notre bâtiment par l'asphalte, on va maintenir de la plantation, même si la plate-bande est petite, parce que c'est important de venir cacher notre, notre crépi avec de la végétation. Fait qu'on va s'assurer de planter quelque chose d'un peu plus haut. Euh, les travaux qu'on est en train de faire, euh, on a commencé à enlever le paillis rouge, parce que vous savez, le paillis rouge. C'est pas le meilleur choix dans un aménagement. Dans une plate-bande, la vedette, c'est la maison. Ensuite, ce sont les végétaux. Alors le paillis, il vient servir à réduire un peu euh, euh, l'évaporation puis l'entretien. C'est pas ça qui est supposé être la vedette dans la plate-bande, alors éviter le rouge, il décolore facilement, il devient vraiment pas beau. Alors on va essayer de se rapprocher de la couleur de la nature, on va aller avec un paillis soit noir, soit brun. Alors euh, ici, euh, une des choses qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de résidus qui se retrouvaient sur le stationnement. Parce qu'on n'avait pas de rigole de fête. Alors, évidemment, quand on va faire les travaux, on va s'assurer de venir faire une rigole pour que, à chaque fois qu'il va y avoir un peu de vent ou quelque chose, le matériel soit maintenu à l'intérieur de la plate-bande.